la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous. Prière de protection à Saint Michel, Archange. Ô très glorieux Prince des milices célestes, Saint Michel, Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre la malice. Venez à notre aide, à nous, créatures de Dieu. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur. Et le Seigneur vous a confié les âmes qui un jour occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ses faveurs divines. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-le dans les abîmes, d'où, enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Amen. Ô très glorieux Prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leurs malices. Venez à notre aide, à nous, créatures de Dieu. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur, et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ses faveurs divines. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-le dans les abîmes, d'où, enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Amen. Ô très glorieux Prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leurs malices. Venez à notre aide, à nous, créatures de Dieu. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur, et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ses faveurs divines. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-le dans les abîmes, d'où, enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Amen. Ô très glorieux Prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leurs malices. Venez à notre aide, à nous, créatures de Dieu. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur, et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ses faveurs divines. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-le dans les abîmes, d'où, enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Amen. Ô très glorieux Prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leurs malices. Venez à notre aide, à nous, créatures de Dieu. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur,
et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ses faveurs divines. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-le dans les abîmes, d'où, enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Amen. Ô très glorieux prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leurs malices. Venez à notre aide, à nous, créatures de Dieu. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur, et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ses faveurs divines. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-le dans les abîmes, d'où, enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Amen. Ô très glorieux prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leurs malices. Venez à notre aide, à nous, créatures de Dieu. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur, et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ses faveurs divines. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-le dans les abîmes, d'où, enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Amen. Ô très glorieux prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leurs malices. Venez à notre aide, à nous, créatures de Dieu. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur, et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ses faveurs divines. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-le dans les abîmes, d'où, enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Amen. Ô très glorieux prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leurs malices. Venez à notre aide, à nous, créatures de Dieu. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur, et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ses faveurs divines. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-le dans les abîmes, d'où, enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Amen.